le dernier vlog d'août. Et aujourd'hui c'est le dernier vlog d'août parce que Lolo elle s'en va ce soir. Du coup aujourd'hui c'est la dernière journée de Lorraine chez les poneys de Lelux. Donc on a notre petit bijou, la petite salle de dressage forestier avec nous. Donc Lorraine elle va aller faire un peu de dressage avec Soleil. Moi je vais en faire aussi un petit peu. Aujourd'hui il fait beau, il fait chaud, pompe et lope. On est parti. Let's go. Bon, la première mission du jour, prendre de la vaseline pour en mettre entre les cuisses des poneys parce qu'ils sont très embêtés par les mouches plates en ce moment. Bon, du coup, ça va être douche pour Sango pour essayer de faire partir ce truc là. Oh, mais quelle horreur! Ah, il a une tique aussi. Enfin, viens voir, je crois que c'est une tique. Le truc là, j'ai l'impression qu'il y a une tête plantée dedans. Hein. Ah oui, c'est carrément une tique. Oui. Oh, il a une tique dans le fion. C'est charmant. T'as une pince à tique? Ouais, j'ai une pince à tique. Toujours dans la petite armoire à pharmacie. La petite pince à tique. Et au travail. Mon minou, t'as une tique. Ça, c'est à cause de la balade en forêt d'hier. Après Sangoku, c'est au tour de l'inspection de monsieur la baleine. Bon bah voilà, du coup résultat sur Soleil, comme sur Sangoku, il avait deux mouches plates mais pas de tiques. Et d'ailleurs la seule solution pour si vous voulez tuer des mouches plates, vous aurez beau essayer de les écraser ou de faire tout ce que vous voulez, c'est soit les brûler, mais faut pas se brûler en même temps, et vu que ça vole, enfin vous pouvez les tenir dans les doigts, mais pour brûler avec un briquet vous risquez de vous brûler les doigts. La meilleure solution c'est de prendre un ciseau et de leur couper la tête, donc de les tenir parce que ça vole pas beaucoup, vous arrivez à les attraper sur les chevaux, mais après faut leur couper la tête, c'est la seule solution pour les tuer. Donc voilà, nous venons de faire 4 décapitations. Je risque de me faire démonétiser rien que pour l'emploi de ce mot dans cette vidéo. Donc voilà, maintenant on va préparer Soso et puis on va partir pour une bonne séance de dress. T'es contente Lorraine? Oui. Ça se voit Lorraine, tu as l'air très motivée. Oui. Avec Soleil on est prêt pour aller travailler. On attend juste que Lolo elle revienne avec la trottinette électrique qu'elle est partie chercher à la maison. Et puis on va aller bosser un petit peu. J'ai reçu un message m'indiquant la présence d'un gros paquet cadeau à côté du vent. Et effectivement, ça c'est le genre de cadeau qui donne le smile. Ouh, il va être content après sa séance. Oui. Allez au travail, après on aura les pommes. Il y a besoin de refroidir la bouteille d'eau. J'ai envie que le sac il craque et il y a tout qui tombe. On a eu un accident. Le sac a eu une fuite. Tiens poney. Chose promise, chose due. T'en as plein la bouffe. J'aurais clairement pas pu trouver une poubelle plus adaptée pour la réserve à pommes. On en a jusqu'au début de l'automne là, très clairement. Je vais aller en donner à Sango. Si on n'a pas eu. Reviens toi. Oh ouais, c'est trop bon, c'est trop bon. Toi, ta petite bouche, elle est grande celle-là. Ouais. Comment avoir une bouteille d'eau froide? Comme ça, mettez-la dans votre baignoire d'eau. Bon, du coup, Lorraine, avant de repartir, elle a décidé que comme j'avais un Shetland, bah Shetland et qu'elle travaille à pied,
Alors elle a décidé de se lancer dans une mission travail à pied avec la tête de mule. Du coup, ce sera aussi à voir sur, sur sa chaîne YouTube dans la suite de la vidéo où elle monte soleil. Voilà, c'est une vidéo avec mes poneys. Lorraine se fait un business sur mon dos. C'est un challenge. Je ne cautionne pas ça. Et hop, on vous récupère. See you. Mmh. Lolo s'en est allé. En vrai, je suis super triste. Et c'était tellement bien. C'était trop cool. On a passé 5 jours, mais vraiment, 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 vraiment trop bien. Et en plus, c'était trop bien. Je suis trop contente d'avoir tout vlogué, comme ça, ça fait plein de souvenirs. Et on se rappellera de ces 5 jours passés ensemble. Voilà, c'est le genre de personne que tu rencontres par YouTube. Et encore, même Lorraine, au final, on s'est pas vraiment rencontré par YouTube. Mais c'est le genre de personne qui habite tellement loin de chez toi, que tu vois tellement pas assez souvent et avec qui tu t'entends tellement bien. Et c'est le genre d'amitié tellement cool et ça fait trop plaisir. Voilà, maintenant je rentre à la maison avec mes petites larmes. C'est parti. Bon bah voilà les copains, c'est du coup sur ce beau coucher de soleil qu'on termine ces 5 jours de vlog ensemble. Je suis contente de les avoir faits parce que c'est traditionnel depuis l'ouverture de la chaîne YouTube au mois d'août, il y a la petite semaine de vlog et je tenais à les faire cette année. J'ai beaucoup réfléchi à comment faire et au final ça s'est retrouvé sur la semaine où Lorraine était à la maison. Donc je suis trop contente, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'avoir pu garder une trace de tous ces moments passés avec Lolo. Et d'avoir encore une trace de ma dernière semaine où j'habite chez mon père avec les chevaux réellement vraiment dans mon cadre de vie au quotidien. Au moment où vous voyez ce vlog, si vous avez vu également la vidéo de samedi dernier, j'ai déménagé dans mon appartement. C'est bizarre à dire, mais là au moment où je filme, je déménage dans 4 jours. Et au moment où vous voyez ce vlog, j'aurai déjà déménagé mardi 25 août. Donc voilà, je suis... C'est bizarre, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre dans ma petite vie et du coup c'était très compliqué pour moi cet été, mais je suis contente d'avoir su honorer comme il faut cette petite semaine de vlog, sachant que tous les vlogs là que vous avez vus ont une semaine d'écart puisque sinon j'aurais pas pu déménager, etc. Enfin bref, ça aurait été trop compliqué. J'avais déjà fait ça l'année dernière, mais du coup je ne vois pas tous vos retours en direct et je vois pas tout ce qui se passe, mais je sais déjà d'avance que vous avez été hyper content et hyper enthousiasmant. C'est ce qui s'est passé pendant les 2 dernières années, donc je doute pas du fait que ça aura été encore la même chose. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette semaine de vlog. On va aller nourrir les poneys, on va leur donner le foin une dernière fois comme tous les étés ensemble et voilà, merci beaucoup, merci pour tout votre soutien. Au moment où je filme cette vidéo, on est 73 700, je ne sais pas combien on sera au moment de l'apparition de celle-ci, mais je doute pas du fait qu'on soit encore plus nombreux. J'ai hâte de voir ça. Je vous remercie vraiment du fond du cœur de nous suivre depuis tout ce temps. Merci d'accepter le fait que des fois je tiens pas mes engagements, même si je suis toujours là, mais que y a des aléas qui font que c'est pas toujours simple. Merci beaucoup, je suis assez émue d'avance rien que de penser à tous les retours que vous allez avoir, savoir que je vous ai potentiellement déçu en ne publiant pas toutes les vidéos qui étaient prévues cet été, mais je sais que cette semaine de vlog vous fera chaud au cœur et je suis plus que ravie, donc voilà. Je vous fais des gros bisous, on part nourrir les poneys avant la nuit et merci, 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 merci beaucoup pour tout. Je vous aime très très fort. Bisous. Les gars, ils sont à table. J'espère vraiment, vraiment, vraiment que cette semaine de vlog vous a plu encore une fois. Je vous fais une montagne de bisous et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo dans ma nouvelle vie. Gros bisous, merci pour tout. Je vous aime fort. Ciao. Une pomme pour la nuit et une pomme pour la nuit. Bonne nuit, bonne nuit mon titi. À demain les gros.